Go Buster! Oh, regarde, c'est Buster et Scout. Ils jouent dans la neige. Ils s'amusent beaucoup à sauter et glisser. Bonjour, Monsieur Bonhomme de Neige. Oh, mais qu'a vu Scout? Elle a l'air très excitée. Je me demande ce que c'est, Buster. Oh, waouh, un étang gelé. Regarde Scout qui fait du patin à glace. Elle est très douée, n'est-ce pas, Buster? Allez, Buster, pourquoi n'essaies-tu pas? Attention! Oh, pauvre Buster, la glace est très glissante. Mais cela n'a pas arrêté Scout. Regarde-la. Je crois que Buster a peur de glisser. Allez, Buster, pas la peine d'être effrayé. Et voilà, tu vas t'habituer. Et voilà Buster lancé sur l'étang gelé. Ah, il l'essaye vraiment. Ils s'amusent tellement ensemble à faire du patin à glace. Bravo Buster. Scout a l'air très impressionné. Oh waouh, regarde Buster qui vole dans les airs. Regarde, Buster, tu as fendu la glace. La glace se brise encore plus. Et elle se brise autour de Scout. Elle est bloquée. Buster, que vas-tu faire? Si tu te rapproches, la glace va complètement se briser. Oh, super idée. Monsieur Bonhomme de Neige ne va pas briser la glace, lui. S'il vous plaît, aidez-nous, Monsieur Bonhomme de Neige. Regarde-le, il est en train de sauver Scout. Ah, bravo, Monsieur Bonhomme de Neige. Et quelle réactivité, Buster. Je ne pense pas que Buster et Scout referont du patin de sitôt. Merci, Monsieur Bonhomme de Neige. Au revoir, Buster. Au revoir, Scout. On se réveille, Buster. C'est un nouveau jour. Attends une minute. Il n'y a pas de couleur. C'est étrange. Même Robin n'a pas de couleur. Regarde, Robin. Buster t'a rendu tes couleurs. Bien joué, Buster. Oh non, ce petit caneton a l'air triste. Elle a perdu ses couleurs. Peut-être que Buster peut l'aider. Bon travail! La couleur est revenue. Oh, regarde comme le petit caneton est heureux désormais. Regarde, la ferme de Terry a aussi perdu ses couleurs. Est-ce que Buster peut t'aider? Bien sûr qu'il peut. Tu es magique, Buster. Oh non, pas Scout aussi. Allez, Buster, aide-la à retrouver sa couleur. Et voilà, Scout. Tu es redevenu toi. Regarde. Buster peut aussi changer les couleurs des choses. Maintenant, le ballon est vert. Et maintenant, le ballon est violet. Buster sait comment colorier les choses. Waouh! Buster a couvert Scout de couleurs arc-en-ciel. Et lui aussi est aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est Buster, le bus arc-en-ciel. Revoilà Terry. Et maintenant, c'est Terry arc-en-ciel. Et regarde les champs et la grange. Des couleurs arc-en-ciel partout. Génial! Buster a même changé la couleur des nuages. Il manque juste une chose. Un arc-en-ciel, bien sûr. Le bus arc-en-ciel s'envole au-dessus de l'arc-en-ciel. Au revoir. Oh, Buster, c'était seulement un rêve. Et il pleut dehors. Oh, je suis désolée, Buster. Attends, tu as fait apparaître le soleil. Peut-être. Salut, Buster. Oh, waouh, un ballon de foot. Regarde, c'est Scout, elle veut jouer. Beau tir, Buster. Pas mal, Scout. Qui est-ce qui descend la route? C'est Tony le camion. Oh non, Buster. Fais attention où tu tires. Attention à Tony le camion. Aïe. Ça a dû faire mal. J'espère que Tony va bien. Buster, tu dois faire plus attention. Attention à l'épine. Oh non, la roue de Buster est endommagée. Regarde, Scout. Tony le camion a besoin d'aide. Je sais de qui nous avons besoin. Oui, Amber l'ambulance. Beau travail, Scout. C'est une journée pleine de rebondissements.
J'espère que tu iras bientôt mieux, Tony. Oh, Buster, ça a l'air douloureux. Ne t'inquiète pas, c'était seulement un accident. Toddy est entre de bonnes mains et Amber va bientôt revenir. La voilà, c'est Amber. Elle va te réparer. Direction le garage pour Buster. Aha. Wow, Tony a l'air en pleine forme. Buster a le droit à une nouvelle roue. Réparé. Oh Buster, les accidents arrivent. Sois plus prudent la prochaine fois. Beau tir Buster. Oh non, pas encore. Buster, fais plus attention. Regarde à gauche. Regarde à droite. Voilà, c'est bien mieux. Bien joué Buster. Par ici. Buster et Daddy Bus passent une journée au parc. Oh oh, attention papa. Ils vont jouer au football ensemble. C'est l'heure du coup d'envoi. Buster passe le ballon et... Oh oh, on dirait que Daddy Bus n'a pas tout à fait compris le principe. Mais Buster lui montre comment faire. C'est l'heure de la séance de tir au but. Buster tire et... Il marque. Oh non. Daddy Bus, tu vas bien? Ouf, il va bien. C'est maintenant au tour de Buster d'être dans les buts. Daddy Bus a l'air déterminé. Oups, le ballon s'est envolé en l'air. Oh, regardez, c'est Ash et Mummy Fire Truck. Buster les invite à rejoindre le jeu. Bonne idée, Buster. Ce sont les bus contre les camions de pompiers. C'est parti. Buster prend le ballon. Ash plonge devant. Mamie tire au but et... Elle rate. Oups. Je pense que Buster a une autre idée. Je me demande ce que c'est. Ash et Buster font équipe. C'est maintenant les enfants contre les parents. Qui va gagner? Ash commence. Daddy prend le ballon, mais Ash le tacle. Il passe à Buster. Et Buster marque. Bravo Buster! Quel beau travail d'équipe tout le monde! Ils sont tous les deux très fatigués quand Daddy ramène Buster à la maison après une excellente journée à l'extérieur. Oh regarde! C'est Mummy Bus! Buster dit au revoir à Daddy Bus. Mais attendez, Buster donne le ballon de foot à Daddy Bus. Il a vraiment besoin de s'entraîner. Bonjour Buster. Oh, regarde toutes ces belles photos de toi et ta maman. Ne serait-ce pas une super idée de lui faire un cadeau pour la remercier d'être si merveilleuse? Et hop, Buster s'en va pour aller choisir quelque chose pour sa maman. Waouh, c'est quoi? C'est une machine à pinces pour les nounours. Cet ours semble parfait pour ta maman. Je crois que Buster va essayer de l'attraper. Vas-y Buster, tu peux le faire. Doucement. Oh non, il est retombé, Buster. Tu y es presque. Et voilà. Bravo, Buster. Ta maman va l'adorer. Oh, bonjour, petit Robin. Robin est venu aider Buster à trouver d'autres cadeaux pour sa maman. Oh, je crois que Robin a repéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Robin? Oh, un magnifique bouquet de fleurs. Beau travail, Robin. Je me demande quel autre cadeau Buster pourrait trouver. Oh, regarde! Un ballon! Attrape-le vite, Buster! Oh, pas assez rapide, Buster! Le ballon va s'envoler! Allez, Robin, nous savons tous que tu es très fort pour attraper les ballons. Bon travail! Quel joli ballon! Il y a un visage qui sourit dessus. Merci pour ton aide. Au revoir, Robin. Regarde devant, Buster. Il y a ta maman. Oh, Buster est très content de voir sa maman.
Et elle a l'air très heureuse avec ses beaux cadeaux. Oh, quelle belle journée pour Buster. Les mamans sont les meilleures. C'est une journée ensoleillée et Buster veut aller jouer dehors. Mais qu'est-ce que c'est? Il a laissé ses jouets partout par terre. Buster sait qu'il devrait les ranger, mais il veut vraiment aller jouer. Wow, Buster range tous les jouets super vite. Mais pas très bien. Oh non, il a renversé ce verre. Et maintenant, il a mis de l'eau partout en passant la serpillière. Maintenant, Buster est dehors en train de jouer. C'était quoi ça? Maman a glissé sur l'eau. Oh non, la pièce est encore en désordre. Buster se sent vraiment mal de ne pas avoir bien nettoyé. Mais il peut arranger les choses. Il doit juste nettoyer correctement et prendre son temps pour le faire. Maman et Buster peuvent le faire ensemble, comme si c'était un jeu. Les tâches ménagères sont tellement plus faciles quand on y trouve du plaisir. Et elles sont beaucoup plus rapides si vous travaillez ensemble. Voilà, Buster est même en train de nettoyer la boisson qu'il a renversée. Parfait! La pièce est enfin rangée. Maintenant, Buster et maman peuvent aller jouer au ballon ensemble. Hourra! Daddy Bus emmène Buster, Bandy et Scout faire du camping dans les bois. Il est temps d'installer le campement. D'abord, ils doivent monter leur tente. Daddy leur montre comment faire. Il enfonce les piquets pour empêcher la tente de s'envoler. Regardez, ils maintiennent la tente en place. Ha! C'est fait! Pendant que Daddy Bus ramasse du bois pour le feu, Buster et ses amis terminent leur tente. Qu'est-ce que c'est? Bandy a des chamallows! Miam! Oh non, Buster n'a pas enfoncé les piquets correctement. La tente s'est détachée. Il ne peut plus rien voir. Attention, Scout! Oh oh! Elle est en train de s'envoler. Buster pourra-t-il l'attraper? Scout et Bandy se joignent à lui pour l'aider. Vas-y, Buster, tu peux le faire! Ah, elle est finalement tombée au sol. Oh non, pas encore une fois! Daddy Bus, attention! Oups, le bois de chauffage s'est envolé. Ouf, il va bien. Il est temps de monter la tente. Assurons-nous que tous les piquets sont bien en place cette fois-ci, Buster. Bon travail. Je me demande ce que Daddy Bus a prévu pour la suite. Waouh! Ils font rôtir des chamallows. Délicieux. Quelle bonne journée. Bonjour, Buster. Quelle jolie fleur. Quelle belle journée ensoleillée. Buster est très heureux aujourd'hui. Et regarde, une belle pomme rouge juteuse. Tu devrais te dépêcher, Buster, ou tu vas être en retard à l'école. Le cours a déjà commencé. Vite! Oh mince, je crois que la maîtresse n'est pas très contente que tu sois en retard, Buster. Tu dois bien écouter le cours désormais. On dirait que tu vas devoir conduire entre les cônes. Voilà Robin. Sois attentive, Buster. Ne sois pas distrait. Oh mince, la maîtresse n'a pas l'air contente du tout. C'est le moment de conduire entre les cônes. C'est Bus Orange qui commence. Doucement et avec prudence. C'est ça.
La maîtresse est ravie. Maintenant, c'est ton tour, Buster. Bonne chance. Waouh ! Ralentis, Buster. Tu fais tomber les cônes. Essaye de rester entre les cônes. Oh mince, ce n'est pas ce que tu devais faire, Buster. Cela t'apprendra à aller trop vite. La maîtresse est très déçue. C'est la fin de la journée. C'est l'heure de tous rentrer chez nous. Je crois que Buster est triste de ne pas avoir fait ce qu'on attendait de lui. Peut-être qu'il devrait aller dire pardon à sa maîtresse. La maîtresse a l'air très fatiguée. C'était aussi une longue journée pour elle. Je crois qu'elle a besoin qu'on lui remonte le moral. Que pourrais-tu faire ? La pomme ! Super idée, Buster ! C'est très gentil de ta part. Et tu as remonté le moral de ta maîtresse. Allez, Buster, cette fois tu peux le faire. Doucement, avec prudence. C'est ça, tu te concentres et tu y arrives. Bravo, Buster ! Tu l'as fait ! Bon travail, Buster ! Bien joué ! C'est Buster le bus. On dirait qu'il s'amuse bien avec ce cerf-volant. Attention ! Oh non ! Scout est rentré dans Buster par accident et maintenant le cerf-volant s'envole. Je suis sûre que Scout ne l'a pas fait exprès, Buster. Regarde ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une lettre adressée au Père Noël, mais elle n'a pas atteint sa destination. Je crois que Buster a une idée. Il va livrer la lettre lui-même pour être sûr que le Père Noël la voit. Oh non, la lettre ! Ouf ! Merci de ton aide, Robin. Buster file. C'est un long voyage jusqu'au pôle Nord où le Père Noël vit. Il fait froid et c'est difficile. Fais attention de ne pas te perdre, Buster. Oh mince ! Tu y es presque, Buster. Qu'est-ce que c'est ? Des traces de renne ? Regarde, c'est le Père Noël! Buster, tu l'as trouvé! Le Père Noël te dit bonjour, Buster! Va lui apporter la lettre! Buster a voyagé de très loin pour la livrer. Voyons voir ce qu'elle dit. Waouh! Ça demande au Père Noël d'offrir un cerf-volant à Buster pour Noël. La lettre est de Scout! Quel ami loyal! Je crois que le Père Noël sait quoi faire. Bien joué, Buster, d'avoir apporté la lettre! C'est le matin de Noël. Réveille-toi, Buster. Oh, il n'y a rien sous le sapin. Peut-être que le Père Noël était trop occupé. Attends, il y a un cadeau. Joyeux Noël, Buster. C'est un cerf-volant, comme l'a demandé Scout, pour remplacer celui que Buster a perdu. Merci, Scout. Quel joli cadeau de Noël. Regarde ces pinceaux. Buster et ses amis vont peindre les murs de la chambre de Buster aujourd'hui. Comme c'est excitant! Mamie Bus leur apporte beaucoup de peintures de différentes couleurs. Ils peuvent peindre le mur en dessous de la fenêtre. Quelle couleur Buster va-t-il choisir? Scout a choisi violet. Et Ash a choisi le rouge. Et Buster, le jaune, bien sûr! Allons peindre. Oups! Ash ajoute une tache de rouge pour aller avec celle de Scout. Et Buster en ajoute une jaune. Génial! Je me demande ce que Scout peint en premier. C'est une fusée! Génial! C'est au tour de Buster. Qu'est-ce qu'il va peindre? Ouh, un bourdon! Bien joué, Buster! Oh, pas sur l'armoire, Ash! Maintenant, ils font un combat de peinture! Attention, cette peinture est très salissante! Oh là là, ils en mettent partout! Quel désordre! Oh oh! La peinture jaune est partout sur le sol! Et maintenant, le violet! Beurre! Mamie Bus se demande ce que c'est que tout ce bruit. C'était tellement amusant. Oh oh, ils n'ont pas réalisé qu'ils faisaient un tel bazar. Mais Buster a un plan.
ils peuvent utiliser le tuyau de hache pour nettoyer. L'eau nettoie la peinture. Beau travail, hache. Oh non, Mamie Bus arrive et ils n'ont pas encore fini de nettoyer le désordre. Il est temps de se laver. Ash nettoie Buster au jet d'eau. Splash! Maintenant, c'est au tour de Scout. Ça a l'air tellement amusant. Et enfin, Ash! Bien joué tout le monde! Waouh! La pièce a l'air complètement propre. Il est temps pour Ash et Scout de rentrer chez eux. Oups! Enfin, pas complètement propre. Buster, Bandy et Mira jouent avec leur ballon de football. Daddy est à la pêche. Oh, pas de poisson aujourd'hui. Ah, c'est un beau lancer, Mira. Waouh, encore plus fort. Oh, attention, Mira. Mais quelque chose ne va pas. Le chapeau préféré de Mira. Le ballon de foot l'a fait tomber. Il ne voit le chapeau de Mira nulle part. Il est perdu. Mira est si triste. Ce chapeau était son préféré. Mais on dirait que Buster sait comment le trouver. Ils vont utiliser leur imagination et transformer la recherche en jeu. Où pourrait être le chapeau? Oh, ce sont de très grandes empreintes de pied. Je me demande où ces empreintes mènent. C'est un dinosaure! Et il porte le chapeau de Mira! Courez! Oh non! Bondy s'est écrasé dans cette flaque d'eau! Attention! Attendez! Le dinosaure a vu son reflet. Je crois qu'il aime le chapeau. Mais il appartient à Mira et elle veut le récupérer. Joli coup, Mira! Oh non, le chapeau vole vers ce volcan! Comment vont-ils le récupérer maintenant? Buster peut le faire. Il doit juste utiliser son imagination. C'est super, Buster! Allez, Buster! Il a réussi! Il a récupéré le chapeau de Mira! Voilà! Ils ont joué à un jeu amusant et ils ont retrouvé le chapeau de Mira. Tout est plus amusant quand on utilise son imagination pour en faire un jeu. Buster et Mamie Bus visitent la ferme de Terry aujourd'hui. Waouh! La ferme est trop cool! Buster est si excité. Oh regarde! Une adorable portée de chiots. Comme ils sont mignons! Buster a repéré un ballon de football. Il adore le foot. Mamie Bus est là pour vérifier que les chiots sont tous en bonne santé. Mais Buster a d'autres idées. Il veut aller jouer au foot à la ferme. Ha ha ha.
Qu'est-ce que c'était? Oh, un des chiots a suivi Buster dehors. On dirait qu'elle veut jouer. Mais Buster veut jouer tout seul. La revoilà. La petite chienne n'arrête pas de le suivre. Buster lance un bâton à la petite chienne pour la distraire. Cela va la faire partir. Non, ça n'a pas marché. Et maintenant, la chienne a pris le ballon de foot. Quelle coquine, cette petite chienne! Ah ah! Finalement, Buster a récupéré son ballon. Mais la chienne veut toujours jouer. Reste là. Buster se cache derrière une pile de bottes de foin. Pas encore! Peut-être que Buster peut perdre la chienne dans le champ de maïs. La chienne est triste de ne pas le trouver. Mais le plan de Buster a fonctionné. Oh non! Comment cette petite chienne est-elle montée là-haut? Elle va tomber! Et Mummy Bus et Terry n'ont pas remarqué. Vite, Buster, vite! Allez, Buster! Ouf! Il a sauvé la petite chienne. Il s'en est fallu de peu. Mummy a remarqué qu'il manque un chiot. Mais ne vous inquiétez pas, Buster l'a ramené à la maison. Quelle journée amusante à la ferme! Oh oh! Pas encore! Qu'est-ce que Buster va faire aujourd'hui? Peut-être que Grandpa va jouer avec lui? Oh, ce gâteau a l'air tellement bon! Grandpa a une idée! Ils peuvent faire un gâteau pour eux-mêmes! Ils vont au supermarché pour acheter les ingrédients. Farine, œufs, lait et sucre glace. Oh! Mira fait aussi les courses. Et Terry Tracteur. Buster est allé chercher les ingrédients. Mais Grandpa lui rappelle de ne pas courir dans le supermarché. Ah, il y a la farine. Mais Mira veut aussi la farine. Sa liste de courses est la même que celle de Buster. Elle fait aussi un gâteau. Et ils veulent tous les deux la farine. Oups! Maintenant, c'est une course pour voir qui peut obtenir les ingrédients en premier. Voilà le lait. Buster est arrivé le premier. Oups, désolé, professeur. Ils vont aussi vite qu'ils peuvent, mais... Buster et Mira doivent se déplacer lentement devant Terry et Grandpa. Tellement lentement. Et c'est reparti. Allez, Buster. Voilà les œufs. Platch! Oh là là! Et voilà le sucre glace! Mais il n'y a plus qu'un seul paquet! Qui va l'avoir? Oh non, Mira dérape! Oh, attention! Ah, Buster veut que Mira ait le dernier paquet de sucre glace. Mais elle veut que ce soit lui qui l'ait. Buster a une idée.
Ils ont partagé les ingrédients et ont travaillé ensemble pour faire un gros gâteau à la place. Délicieux. Excellent travail d'équipe. Hey, salut Buster. Salut petit Robin. C'est bien Buster. Regarde bien des deux côtés avant de traverser la voie ferrée. Waouh, c'était moins nul. C'est qui le train ne regarde-t-elle pas où elle se dirige? Voilà Otis, la voiture de police. Quelque chose ne va pas. Vite Buster. Peut-être que tu peux aider. Oh non, Suki s'est endormie. Si personne ne l'arrête, où finira-t-elle? Qu'allons-nous faire? Attendez, je crois que Buster a une idée. Une corde, bonne idée Buster. Tu peux l'utiliser pour ralentir Suki. Bravo Robin. C'est ça, tire, tu peux le faire. Oh non, la corde s'est cassée. Suki est toujours hors de contrôle. Je crois qu'elle va encore plus vite désormais. Tu dois la rattraper vite. Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh mince, c'est Digger. Suki se dirige droit sur lui et ne l'a pas vu. Une autre voie, en montée cette fois. Attention Buster. C'était moins une. Bien évité Buster. Tu dois dévier les rails, Buster, pour que Suki aille en montée. Vite, Buster, tu peux le faire, tu y es presque. Oui, juste à temps. Bravo, bien joué, Buster, tu as dévié la voie. Suki est en montée, cela va la ralentir. Là, doucement, elle s'est arrêtée. Je crois que Suki se réveille. Quel soulagement, personne n'a été blessé. Bravo Buster, tu as aidé Otis et tu as tout arrangé. Buster et ses amis sont en vacances à la plage. Quelle belle journée. Waouh, la mer est magnifique. Qu'est-ce que c'est dans l'eau? Ah, c'est un requin. Buster a très peur. Oups, attention Iggy. Mummy Bus fait une sieste sur la plage. Buster essaie de lui dire ce qu'il a vu. Il avait des ailerons effrayants et a sauté hors de l'eau. C'était un requin. Mummy Bus ne voit rien du tout. Ne t'inquiète pas Buster, tout va bien. Mummy Bus va retourner à sa sieste. Buster a toujours très peur. Je me demande si le requin est encore là. Ah! C'est un requin! Va-t'en, Buster, va-t'en! Oups! Pas encore! Oh, Buster est toujours effrayé, mais il veut surmonter sa peur. Il va y retourner. Voilà le requin. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Le requin a une dent qui fait mal et qui bouge. C'est pour ça qu'il a sauté hors de l'eau. Ne t'inquiète pas, Shark. Buster peut t'aider. Il essaie d'attirer l'attention de maman. Elle est réveillée. Elle a sa trousse de vétérinaire et elle vient à la rescousse. Splat! Miam, miam! Mummy Bus enlève la dent qui bouge de requin. Elle est tombée. Hourra! Le requin se sent beaucoup mieux maintenant. Bien joué, Buster. Il est impatient de montrer la dent à ses amis. Buster, réveille-toi. Il y a un flocon. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Il neige! Waouh, il neige! Oui! Mais attendez, où est le sapin de Noël? Celui-là ne fera pas l'affaire. Oh, regarde! C'est un gentil rouge-gorge. Je me demande ce qu'il dit. Je crois qu'il veut que Buster le suive. Oh! Il veut aider Buster à trouver un nouveau sapin de Noël. Ceux-là ne sont pas exactement ce qu'il faut.
Waouh, hein? Celui-ci est magnifique. Buster est d'accord. C'est un grand arbre, pas vrai, Buster? Ouh, fais attention, Buster. Ouh, ça bouge. Ça bouge, continue, Buster, tu y es presque. Wouh, et voilà. Buster est en route pour le ramener au garage. Je me demande si l'arbre passera. Il est vraiment énorme. Attention au virage, Buster. Oh non, derrière toi, Buster, tu as perdu l'arbre. Regarde derrière toi. Vite, 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 Buster, dépêche-toi, retourne-toi. Oh non, l'arbre dégringole. Vite, Buster, essaye de le rattraper. Maintenant, il rebondit à travers les lumières de Noël. Vite, Buster! Penses-tu que Buster va le rattraper? Continue, Buster! Oh non, Buster, que va-t-il arriver à ton arbre de Noël? Quelle chance, Buster! C'est un soulagement. Il est magnifique. Au moins, tu n'as plus besoin de le décorer maintenant. Quel arbre de Noël fantastique! Heureusement qu'il a terminé en un morceau. Oh, regarde! Voilà Terry et voilà Scout. Ils sont venus pour célébrer les fêtes de Noël. C'est Buster le bus. Je me demande quels sont ses plans aujourd'hui. Une chasse aux œufs de Pâques. Voilà un œuf de Pâques. Bien joué, Buster. En voilà un autre. Ça fait deux. Et trois. Quatre. Cinq. Il y en a plein. Waouh, ça fait beaucoup d'œufs de Pâques, Buster. Ils ont l'air si bons. Buster adore les œufs en chocolat. Délicieux. Buster en mange autant qu'il en a envie. Bonjour, Buster. Oh, Buster n'a pas l'air très bien. Il a mal au ventre. Je pense qu'il a mangé trop d'œufs en chocolat. Voilà Scout. Elle vient voir si Buster va bien. Il semble vraiment malade. Pauvre Buster, Scout va l'emmener voir Amber l'ambulance. Elle va pouvoir l'aider. Voilà Amber. Elle sait toujours comment aider les petits bus à aller mieux. Oui, Buster est bien malade. Mais heureusement, Amber a des médicaments avec elle. Ouvre bien grand, Buster. Ça va t'aider à aller mieux. Mais ce n'est pas tout. Si Buster veut guérir son mal de ventre, il doit manger des aliments bons à la santé. Comme une pomme. Voilà, ça va calmer le ventre douloureux de Buster. Le jour suivant, Buster se sent beaucoup mieux. Oh hey, c'est Diggly la pelleteuse. Qu'a-t-il avec lui? Oh oh, pas un autre œuf en chocolat. Je pense que Buster a eu assez d'œufs en chocolat pour ses fêtes de Pâques. Regarde, c'est Bandy. Il vient rendre visite à Buster aujourd'hui. Bandy est tellement excité, je me demande pourquoi. Waouh! Quel super dinosaure, Buster! Et Bandy en a un aussi. Ils partent jouer au parc. Ils s'amusent tellement à jouer avec leurs jouets dinosaures. Mais attendez, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait être un dinosaure? Buster et Bandy utilisent leur imagination pour prétendre qu'ils sont dans une aventure de dinosaures. Qu'est-ce que c'était? C'est un T-Rex! Courez! Allez, Coco! Comment vont-ils faire pour traverser? Vite, le dinosaure arrive! Aha! Buster a son lasso de cow-boy! Allez, Buster! Mais Bandy est un peu nerveux. Allez, Bandy, tu peux le faire!
Bandy fait face à ses peurs. Wouh ! Bon travail, Bandy. Il n'y a aucune chance que le T-Rex puisse les atteindre par ici. Oh oh, peut-être qu'il peut. Regardez, ils peuvent se cacher derrière cet arbre. Vite, Bandy! Attends une seconde. Un œuf? Le T-Rex ne les poursuivait pas après tout. Il était à la recherche de son œuf. Oh non! L'œuf se dirige vers la falaise. Vite, Buster! Ouf! L'œuf est en sécurité maintenant. Le dinosaure est très reconnaissant envers Buster. Quel jeu amusant! Et ce n'était pas vraiment un dinosaure, c'était juste Diggly et il cherchait sa balle. Tout le monde aime jouer aux dinosaures. Wow. Quelle journée fantastique à jouer au parc! C'est une journée ensoleillée et Daddy Bus emmène Buster en sortie à la plage. Buster dit au revoir à Mamie Bus et il part. Hourra! Mais, oh là là! Otis leur bloque le chemin. La route est fermée. Buster est très contrarié. Mais on dirait que Daddy a une idée. C'est un beau lac et ils peuvent aller pêcher à la place. Buster est déçu car il voulait aller à la plage. Daddy lui apprend à pêcher. Waouh! Maintenant, c'est au tour de Buster. Buster s'ennuie. Ce n'est pas aussi amusant que la plage. Pourquoi Daddy est-il si excité? Attends. Quelque chose tire sur le fil de Daddy. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, wow! Daddy a attrapé un énorme poisson. Il est si gros que Daddy n'est pas assez fort. Buster se joint à lui et l'aide. Attention, Buster! Oups! Ils ont été tirés dans l'eau et le poisson trouve cela très drôle. Buster et Daddy Bus n'abandonneront pas si facilement. On dirait qu'ils ont trouvé un nouveau plan. Le poisson nage dans le lac. Daddy lance sa ligne de pêche et le poisson tire à nouveau. C'est une autre lutte à la corde. Regarde, c'est Buster qui flotte dans le lac. Ah ah, je l'ai eu. Buster a attrapé le poisson avec son filet. Vas-y, Buster. Daddy est très fier. Bien joué, Buster. Le poisson s'en va à la nage. À la prochaine fois, Fishy. Finalement, la pêche a été très amusante. Joyeuse fête, Buster! Oh non! Buster n'a pas l'air très heureux, pas vrai? C'est parti, allons voir ce qui ne va pas. Buster a l'air de s'ennuyer, n'a-t-il plus rien à faire? Entendez-vous ça, Finn? Oui, c'est Robin, l'ami de Buster. Mais où est-il? Je n'arrive pas à le voir. Et toi? C'est un long soupir, ça, Buster. Il n'a toujours personne avec qui jouer. Oh, regarde, le voilà. Et il porte la boule de Noël de Buster. Je pense qu'il veut que tu le suives, Buster. C'est parti, allons voir ce qu'il veut te montrer. Oh, il ramène une écharpe. Très bonne idée, Buster. Vous pourriez faire un bonhomme de neige ensemble. Regarde-le utiliser ses roues pour faire des piles de neige. Buster est très intelligent. Waouh, ça prend déjà forme. Et il y a la tête. Bravo, Robin. Un bonhomme de neige n'est jamais complet sans une écharpe. À quoi servent ces morceaux de charbon? Mais bien sûr. Maintenant, Robin est parti chercher autre chose. Oh oui, une carotte pour le nez du bonhomme de neige. Quel bonhomme de neige fantastique. Mais regarde, Buster pense qu'il manque quelque chose. Waouh, c'est une grosse rafale de vent. Oh,
Et regarde, elle a apporté un chapeau haut de forme à Buster et Robin. Voilà ce qu'il manquait. Bravo, Buster. Le rouge-gorge est entièrement d'accord. Oh, waouh! Le bonhomme de neige a pris vie. Buster est très excité. Maintenant, Buster n'a pas seulement Robin avec qui jouer, mais également son nouvel ami, le bonhomme de neige. Joyeuse fête, tout le monde! Bonjour, Buster! Waouh! Regarde toute cette glu verte effrayante. Tu en mets partout. Regarde cet érythracteur. Je ne crois pas qu'il ait très envie d'être couvert de glu. Regarde comme il est prudent. Zoom! Attends, regarde devant toi, Buster. Tu te diriges droit sur tes roues. C'était moins une. Attention, Buster. Oh mince, tu éclabousses Terry de glu. Je ne crois pas qu'il soit très content. Et hop, Buster repart, en s'amusant de nouveau dans la glu verte. Attention! Oh non! Buster est coincé dans la glu collante. Oh mince, il est vraiment bien coincé. Le soleil se couche et il commence à faire nuit. Oh, effrayant. J'espère que ça va aller pour Buster. Regardez tout le monde, cet érythracteur. Il vient pour le sauver. Terry n'a pas l'air très ravi de la situation. S'il te plaît, aide Buster, Terry. Il a besoin qu'on le pousse. Peut-il le faire? 1, 2... Et voilà! Hourra! Merci, Terry. Oh, Buster. Quelle chance que Terry Tracteur ait été là pour sauver Buster de la glu verte collante. Au revoir, Terry. Au revoir, Buster. Buster, on dirait que tu es complètement couvert de boue. Tu t'es bien amusé à sauter dans ces flaques de gadou. On dirait que Buster a besoin d'un lavage. J'ignore s'il le sait. Voici le bus de la ville. Oh mince, il n'a pas l'air très impressionné par l'apparence de Buster. On dirait que Buster vient de réaliser à quel point il est sale. En effet, Buster, tu es couvert de boue. Est-ce le signe qu'il faut se laver? Bonne idée, Buster. Le voilà en route pour le lavage auto afin de se nettoyer. Oh, pauvre Buster! Il a trop peur d'y entrer. Ça a l'air très effrayant, n'est-ce pas? Courage, Buster, tu peux le faire. Il faut te laver, tu es si sale. Il entre. Buster est très courageux, en effet. 1, 2, 3... Oh non! Tu y étais presque, Buster! Revoilà le bus de la ville. Oh, il a l'air très impatient. Buster respire profondément. Tu peux le faire. Hein? Mais les bruits font si peur. Allez, Buster, tu peux y arriver, tu y es presque. À vos marques. Go! Oh, tu y arrives, Buster! Ça chatouille, ce n'est pas si mal finalement. Et il ressort. Allons, ça n'était pas si terrible, n'est-ce pas, Buster? Tout brillant et tout propre, tu es magnifique. Waouh, bravo, Buster. Ce lavage auto n'était pas si terrifiant après tout. Au revoir, Buster. Aujourd'hui, Buster et sa famille vont faire un pique-nique. Buster est très excité. Mommy Bus est allée chercher Grandpa et pendant son absence, Buster et Bandy doivent préparer le pique-nique. D'abord, ils doivent étendre la couverture de pique-nique. Wow, le vent l'a emporté. On dirait une cape. C'est super, Buster. Bandy veut aussi une cape et c'est le combat. Buster s'imagine qu'il est un super-héros. Super Buster volant dans le ciel. C'est le méchant bandit. Il a volé le pique-nique. Oh non, Super Buster doit le sauver. Ils se poursuivent dans le ciel. Allez, Super Buster, allez. Tu peux l'attraper. Oh non.
le méchant bandit vise Super Buster avec ses formes laser. Mais Super Buster est trop rapide. Waouh, regardez-le faire. Hurrah, Super Buster a sauvé le pique-nique. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une boule laser bleue géante. Oh non, qu'est-ce que Super Buster va faire? Ah ah! Il utilise le mât du drapeau comme une batte. Viens là, méchant bandit. Ah, joli coup, Super Buster. Waouh, c'était un jeu tellement amusant. Mais, oh non, ils ont fait un énorme bazar. Mummy Bus et Grandpa sont en route. Que vont-ils faire? Vite, ils doivent nettoyer. En tant que super-héros, bien sûr. Super Buster et Méchant Bandit nettoient la ville. Même les super-héros doivent nettoyer derrière eux. Juste à temps. Bon travail d'équipe, les gars. Et le pique-nique a l'air génial. Miam, miam, délicieux. Tout ce travail de super-héros leur a donné très faim. Regarde, c'est Buster le bus. Il a l'air très heureux, tu ne trouves pas? Oh non! Il commence à pleuvoir. Et il y a du tonnerre et des éclairs effrayants. Oh, c'est un orage. Waouh, attention à Scout, Buster. Oh mince, Buster est très effrayé par l'orage. Il a laissé Scout toute seule sous la pluie. Et maintenant, ses roues sont bloquées dans la flaque. Les éclairs sont partout désormais. Ouf, Buster est sain et sauf dans le garage. Mais qu'en est-il de Scout? Regarde, il a vu Scout. Elle est vraiment coincée dans cette flaque. Est-ce que Buster va être assez courageux pour aller l'aider? Scout a vraiment du mal à bouger. Pauvre Buster, il est tellement effrayé par l'orage et les éclairs, pas vrai? Tu peux le faire, Buster. Waouh! L'éclair est si lumineux et effrayant. Youpi! Allez, Buster! Il a l'air très déterminé à aider Scout désormais. Il faut vite la pousser, ça devrait marcher. Oui! Scout est libéré. Regarde comme elle est heureuse. Bravo, Buster! Le tonnerre est toujours très très fort. Oh, mais regarde! Buster a surmonté sa peur. Buster et Scout retournent joyeusement vers le garage pour se protéger de la pluie. Oh, le tonnerre les a fait sursauter tous les deux. Au revoir, Buster. Au revoir, Scout. Regarde, Buster est arrivé tôt à l'école aujourd'hui. Voici Scout et Diglé. Oups, Buster a glissé sur de l'huile. Oh non, le tableau noir est détruit. Scout a glissé aussi. Ouf. Oh non, l'horloge est cassée aussi. Quelle pagaille. Et voici le professeur. Ils vont devoir tout nettoyer très vite. Mais le tableau est trop lourd pour Scout. Et Diglé ne peut pas ramasser les lettres. Buster essaie de réparer l'horloge. Mais il y a tellement de pièces. Je pense que Buster a un plan. Ils peuvent échanger leurs tâches. Scout peut ramasser toutes les lettres.
Ensuite, Diglé et Buster peuvent soulever le tableau ensemble. Scoot connaît son alphabet. Il peut remettre les lettres en place. Maintenant, l'horloge. Diglé peut la réparer. Il adore réparer les machines. Voilà, c'est fait. Juste à temps. Voilà le professeur. Tout semble normal. À part cette lettre. Et l'heure n'est pas bonne. Et le chiffre 1, 2, 3, 4, comme 9. Hey, salut Buster. Qu'est-ce que c'est? Un ballon de foot? Oh, regarde Buster. Tous tes amis sont alignés pour faire une partie de football. Et ils ont besoin d'un autre joueur. Vas-y Buster, ça va être très amusant. C'est parti. Ah, trop lent Buster. CJ, le mixeur de ciment, va essayer de marquer. Est-ce que Jesse Jeep peut le stopper? Allez Jesse, tu peux le faire. Oh, presque, mais but. Beau shoot CJ. Belle tête Buster. Quel tir Scout. Belle parade Digger. Scout a joué la balle de Digger. Scout se précipite vers le but. Allez Scout, tu peux le faire. Personne ne peut la contrer. But. C'est ça Scout, bravo. Jesse à Scout. Scout lance d'un coup de pied. Super tir Digger. Passe à Bandy. Oh, c'était un peu trop fort Bandy. Bandy va-t-il marquer? Jesse peut-elle le contrer cette fois-ci? Oh non, Jesse a crevé le ballon. Est-ce la fin de la partie? Oh mais non! Regardez! Otis a un autre ballon. La partie reprend. Tout semble s'accélérer désormais. Buster se dirige à toute allure vers le but. Oh non, Bandy, le bus a bousculé Buster. C'est une faute! Bon arbitrage, Robin. Bandy a pris un carton rouge et Robin l'envoie hors du terrain. Voilà ce qui se passe quand on joue trop brutalement. Hein? Maintenant, Buster a le droit de tirer un pénalty. Allez, Buster! But! Tu l'as fait, Buster! Tu as remporté le match et tu as gagné un beau trophée. C'était si amusant. Je crois que Buster dort à nouveau. Où es-tu, Buster? Regarde toutes les balles géantes colorées et tous les jouets autour de toi. Cet endroit a l'air parfait pour une nouvelle aventure. Voyons voir ce que Buster peut trouver d'autre. Waouh! Regarde ce nounours. Regarde comme il est gros. Il a l'air tout doux et câlin. Ah, c'est ça, Buster. Fais-lui un gentil câlin. Oh non, Buster, quel est ce bruit? C'est une pince géante. Je crois que Buster est dans une machine à pince géante. Attention, elles vont t'attraper! Oh non! Ouf, Buster, c'était juste un mauvais rêve. Regarde, c'est Scout. On dirait que Buster est encore un peu secoué. Mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter, Buster. Regarde, Scout a quelque chose à te montrer. Je me demande ce que c'est. Oh non! C'est une machine à pince. Buster a l'air effrayé. Scout n'en a pas peur. Peut-être que c'est rigolo. Ne t'inquiète pas, Buster. Scout est avec toi. Regarde, Buster, c'est ce nounours. Pourquoi n'essaies-tu pas de le gagner? Allez, Buster, sois courageux. Tu peux le faire. Ok, Buster, c'est l'heure d'attraper ce nounours. Prends ton temps. Ça a l'air bien. Ok. Et voilà. Tu l'as attrapé? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nounours. C'est un petit bus jaune. Ce jouet te ressemble comme deux gouttes d'eau, Buster. Cela fait bien rire Buster et Scout. Buster a maintenant surmonté sa peur des machines à pinces. Hey, salut Digger. Que fait-il? Ah, il construit une tour de quilles. Bravo Digger, elles sont superbes.
Oh, regarde, c'est Buster qui joue avec son ballon. Hey, Buster, attention vers où tu tires. Tu pourrais... Oh, oh non! Tu as détruit la tour de qui de Digger? Je crois que Buster a eu une idée. Je ne suis pas sûre que Digger l'aime. Et le voilà qui recommence. Buster s'amuse beaucoup. Tu vises très bien, Buster, mais j'espère que Digger n'est pas trop triste que tu lui détruises cette tour. Prêt pour le troisième? Regarde! Scout conduit vers la tour de qui? Attention, Buster, si tu n'es pas prudent, tu pourrais... Oh non! Attention, Scout! Regarde ce que tu as fait, Buster. Scout est prisonnière. Tu vas devoir aller chercher de l'aide, vite! Ne t'inquiète pas, Scout. Buster est parti chercher de l'aide. Le voilà, il est avec Digger. Digger est très embêté que Buster ait détruit ses tours. Mais au moins, il vient pour aider. Scout est libéré. Merci. Maintenant, tu devrais reconstruire ses tours. Si vous travaillez ensemble, ça ira très vite. C'est ça, Buster, soulève. Allez, Buster, mets-y un peu de graisse de moteur. Bravo, Digger, c'est la première tour. Je crois que Buster est un peu fatigué. Pas le temps de se reposer, Buster. Il y a encore du travail. Il faut s'y remettre. Et voilà, tout est reconstruit. Bon boulot, tout le monde. Oh non, Buster, ne pense même pas à rejouer au quilles avec ton ballon. Buster et son grand-père visitent le marché de Noël. Regardez tous ces beaux stands. Waouh! Buster veut vraiment gagner cet ours en peluche. Il demande à Grandpa s'ils peuvent jouer. Ils ont droit à 3 lancers pour faire tomber les boîtes de conserve. Oups, Buster a raté son coup. Oh non! Buster a fait ses 3 lancers. Il fait un autre essai. Oh non, il a encore raté. Buster est contrarié. Mais je pense que Grandpa peut lui apprendre une chose ou deux sur le lancer. La clé pour atteindre la cible est de prendre son temps. D'abord, tu prends une longue respiration. Puis tu vises. Tu t'accroupis. Et tu lances. Waouh, Grandpa a frappé toutes les boîtes de conserve. Maintenant, c'est au tour de Buster. Un long souffle. Vise. Accroupis-toi. Et lance. Hourra! Joli tir, Buster. Maintenant, il est temps d'aller gagner cet ours en peluche. Prêt? Et... Oh non, Buster n'a pas pris son temps. Il a besoin de prendre une longue inspiration. Vise, accroupis-toi et lance! Hourra! Buster a réussi! Bien joué, Buster! Et voilà son prix! Buster est si fier de lui! Buster et ses amis sont de retour à l'école. Ils se racontent ce qu'ils ont fait pendant l'été. Buster est tout excité à l'idée de parler à tout le monde de sa dent de requin. Mais d'abord, Scout raconte à tout le monde ce qu'elle a fait pendant l'été. Scout a fait du surf pour la toute première fois. C'était trop cool. Il a fallu être un petit peu patiente. Mais ensuite, il y avait une vague qui était absolument énorme. Mais Scout a quand même réussi à la surfer sans tomber. Et elle est allée tellement vite. Wouhou! Waouh! Scout a raconté une histoire tellement cool. Qu'est-ce qui ne va pas, Buster? Oh, il pense que son histoire de dents de requin ne sera pas assez intéressante après celle de Scout. Buster va raconter à tout le monde comment il a eu la dent. Buster leur raconte comment il est allé explorer dans le bois sombre et profond. Il y avait plein d'animaux et de monstres. Mais Buster dit qu'il n'avait pas peur du tout. Mais alors, Buster s'est retrouvé face à face avec... un dinosaure!
Mais le dinosaure avait une dent qui lui faisait mal. Alors Buster la lui arracha pour qu'il se sente mieux. Oh. Bandit pense que Buster ne dit pas la vérité. Il ne pouvait pas vraiment rencontrer un dinosaure. Les dinosaures ont disparu. Buster admet qu'il a peut-être changé un petit peu son histoire. Ce n'était pas un dinosaure. C'était une dent de requin. Buster pensait que ce ne serait pas assez intéressant. Mais Scout pense que les requins sont bien plus cool que les dinosaures. Vas-y Buster, raconte encore l'histoire. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Buster est allé à la plage. Mais ses amis veulent l'aider à raconter l'histoire. Bandit pense qu'il devrait y avoir un pirate dans l'histoire. C'est amusant d'utiliser son imagination. Buster dit que lui et le pirate sont allés trouver un requin sur la plage. Il avait mal aux dents, alors ils ont décidé de l'aider. Scout pense qu'il devrait y avoir une abeille sympathique dans l'histoire. Cool! L'abeille a aidé à enlever la dent douloureuse. Et ensuite, ils ont joué tous ensemble à se la lancer. Ils ont joué toute la journée sur la plage. Quelle belle histoire ils ont inventée tous ensemble. C'est tellement amusant d'avoir de l'imagination, surtout entre amis.